kutuondoa toka mbali Bwana. Nous étions non aimables. Tulikuwa tungepaswa kupendewa. N'avions pas d'espoir. Hatukukuwa na tumaini. Ni départ à la cité de Dieu. Hatukukuwa na sehemu kwa mji wa Mungu. Aujourd'hui nous sommes à toi. Leo sisi ni wako. Et tu nous as bien accueillis. Na umetupokea vizuri. Dans ta famille. Ndani ya jamaa yako. Tu as dit je serai votre père, vous serez mes fils et mes filles. Nanyi mtakuwa wana na binti zangu. Nous sommes à toi Seigneur. Sisi ni wako Bwana. Mais tu nous as chargé d'une mission sur la terre. Na umetupatia kazi hapa duniani. Et nous voici Seigneur, nous essayons d'y travailler. Na sisi hapa Bwana tunatumika. Merci parce que tu nous abandonnes pas. Asante maana utuachili. Merci Dieu. Asante Mungu. Pour les grâces insondables. Kwa ajili ya neema isiyo na kipimo. Merci Père. Asante Baba. Pour ton accompagnement. Kwa ajili ya kutusindikiza. Parle à nos cœurs encore. Zungumzia tena mioyo yetu siku ya leo. Fais-nous avancer, Seigneur. Ufanye tuendelee Bwana. Sors-nous de la stagnation. Utuondoe ndani ya kubaki fasi moja. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut bien acclamer le Seigneur. Tunaweza kumshangilia vizuri Bwana. Le Dieu des avancées irrésistibles. Mungu wa kuendelea bila kupingwa. On l'appelle le Dieu des avancées irrésistibles. Wanamwita Mungu anaendelea bila kupingwa. Il prévoit des avancées irrésistibles pour quelqu'un. Anatarisa kuendelea bila kupingwa kwa ajili yako. Alléluia. Amen. Il est digne anastahili de nos acclamations. Ya kushangiliwa kwetu. Il est digne anastahili de notre obéissance. Kutii kwetu. Il est digne anastahili. Il est Dieu. Yeye ni Mungu. Et il n'y en a point d'autre. Na hakuna Mungu mwingine. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Nani Mungu kama si est ta rocher si ce n'est notre Dieu? Nani Mungu kama c'est lui qui nous saint de force. C'est lui qui exerce nos mains à la bataille. C'est lui dont la massuétude nous fait devenir grands. Il relève nos têtes et nos coupes débordent. Alléluia. À lui la gloire. Aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. 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 Tu veux encore m'aider à dire cela? Naweza nisaidia tena kusema hivyo? Oh Seigneur, mwambie Bwana. Dis-lui. Mwambie. Seigneur. Bwana. Je suis devenu responsable. Nimeanza kuheshimu jukumu zangu. Dis-le profondément. Uimwambie kwa undani. Seigneur. Bwana. Dis ça aussi au voisin. Mwambie pia jirani. Mon cher. Mpenzi wangu. Je suis devenu responsable. Nimegeuka kuheshimu jukumu zangu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il en a demandé lui, tu dis vrai frère? Sasa muulize unasema kweli ndugu? Est-ce que tu dis vrai? Est-ce qu'on unasema kweli? Bwana sifiwe. Amen. J'ai la joie cet après-midi. Na furaha jioni ya leo. D'avoir au milieu de nous un bien-aimé un frère. Kwa miongoni mwetu na mpendwa ndugu. Un homme de Dieu. Mtumishi wa Mungu. Un compagnon. Na msindikizaji wa njia. Dans le ministère. Ndani ya huduma. À 1994. Kwa mwaka wa 1994. Nous avons débarqué à Kindu. Tulifika Kindu. Comme missionnaire. Kama vile wa missionari. Avec Campus pour Christ. Na Campus pour Christ. Et nous avons passé 3 ans là-bas. Na tukafanya miaka 3 huko. Et l'un des hommes de Dieu qui nous ont accueillis là-bas. Na moja wa watu wa Mungu waliotupokea huko. À ce temps-là, c'était Papa Mananga. Kwa wakati ule ilikuwa Papa Mananga. Aujourd'hui, c'est Révérend Mananga. Leo ni Reverend Mananga. Que j'accueille. Ambaye nampokea. Yeah.
c'est mon frère. Alléluia. Amen. Vous voyez, à ce temps-là, il travaillait à l'office des routes. Il était ingénieur. Et les jeunes ministères ont besoin de soutien, tout ça là, ce sont eux qui nous ont soutenus. Walihitaji kusupportiwa na ni wao ndio waliotusupporti. Quand il fallait partir à gauche à droite dans les brousses et les forêts, na wakati ingeomba tuendelee kwa ajili ya kazi, nous avions des bien-aimés qui nous soutenaient. Tulikuwa na wapendwa ambao walikuwa wanatusaidia. Alléluia. Amen. Bien, je suis sous émotion. Ninakuwa na hisia kubwa hapa. Parce qu'avec ce frère, sababu pamoja na ndugu huu, nous avons bien des souvenirs communs. Tunakuwa na ukumbusho ambao tuliishi pamoja. Dans notre expérience en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Ndani ya maisha yetu kama watoto na watumishi wa Mungu. Ils ont un enfant qui s'appelle Betsalel. Wana mtoto ambaye anaitwa Betsalel. Et chaque fois que je viens ici, j'aime voir cet enfant-là. Na kila mara napofika hapa napenda nimuone mtoto huyo. Parce que je connais ce que Dieu a fait. Sababu najua ile ambayo Mungu alifanya. Dieu honore la foi. Mungu anaheshimisha imani. Et quand je vois aussi la maman de Betsalel, na napomuona pia mama wa Betsalel, je rends grâce à Dieu. Namshukuru Mungu. Mes frères et sœurs, ndugu kaka na dada, Dieu est vivant. Accrochons-nous à lui. Mungu iko hai. Tuambatane naye. Cette femme allait mourir à l'hôpital. Mwanamke angepaswa kufia hospitalini. Et moi et lui, nous allions chercher le sang. Na sisi mimi pamoja naye tulienda tafuta damu. Parce que le médecin insistait absolument, il faut du sang. Sababu docteur alikuwa akisisitiza kwamba ilipasa damu. Dieu a placé une conviction dans nos cœurs, à tous les deux, instantanément. Nous revenions déjà avec ce sang-là, acheté. Na Mungu akaweka uhakika ndani mwetu tukarudi na damu ambayo tulinunua. C'était le crépuscule. Ilikuwa ni jioni. On se regarda deux. Tukaangaliana. On est à côté de la maison du gouverneur. Tuko karibu na nyumba aliwa. Là il y a la savane. Na hapa kuna majani. Nous avons prié tous les deux avec lui. Tukaomba sote wawili. Et nous avons jeté ces sachets de sang. Na tukatupa ile damu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous avons eu des problèmes avec les médecins. Sasa tulikuwa na shida na docteur. Mais l'enfant est vivant aujourd'hui, la maman est vivante. Lakini mtoto ni mzima leo na mama ni mzima. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. J'aime son approfondissement pour le Seigneur. Napenda sana undani wake kwa ajili ya Bwana. Il y a une question qui le tourmentait toujours. Kulikuwa swali moja ambalo lilikuwa namsumbua kila mara. Il voulait la profondeur depuis tout le temps. Alihitaji vilindi tangu zamani. Il n'était jamais satisfait. Alikuwa hajatosheka hata siku moja. Toujours insatisfait. Kila mara alikuwa hajatosheka. Parce qu'il voulait la profondeur. Sababu alihitaji vilindi. Donc c'est normal avec ce séminaire que vous êtes en train de suivre. Ni kusema ni kawaida hii mkutano mnayofuata. Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Soyez béni. Mubarikiwe. Amen. Amen. Vous voyez que nos destinées, mnatazama kwamba hatima zetu, ne sont pas des lignes droites. Sio mstari ambao unanyoroka. D'accord. Tunakubaliana. Beaucoup de gens stagnent. Watu wengi hubaki fasi moja. Parce qu'ils sont bloqués. Sababu wanazuizwa. Par rapport à la compréhension de leur vie. Kufuatana na kuelewa kwa maisha yao.
Il faut passer beaucoup d'opportunités. Wanapitisha wakati mwingi. Parce qu'ils ne comprennent pas. Sababu hawaelewe. Que dans la destinée il y a des étapes. Ya kwamba ndani ya hatima kuna hatua. Et qu'il faut vivre pleinement chaque étape. Na ambao inaomba kuishi kila hatua vizuri. Les succès kufanikiwa dans chaque étape ndani ya kila hatua vous fait monter inakupandisha à l'échelle kwa ngazi de l'étape suivante ya hatua ifuatayo. Amen. 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 Vaincre la stagnation, stagnation. Kubaki fasi moja. Hier, jana, nous sommes limités. Tuli malizia. À montrer les caractéristiques qui ressortaient de quelques hommes de la Bible que nous avons vus dans leur parcours. Tukionyesha hali fulani fulani za watu. Et nous avons retenu trois caractéristiques. Na tulishika hali tatu. Premièrement, un cœur vif et assoiffé d'accomplir et de réussir la mission reçue. Ya kwanza ni moyo wa kuungua na ambao ina kiu ya kutimiza kazi ambayo ilipewa. Une mentalité remplie de principes qui le pousse à progresser jusqu'à l'accomplissement de la mission de leur vie. Ya pili ni kuwa na mafikara ambao inajaka kanuni na kusukuma kutimiza kazi waliopewa. Et troisièmement, des actions concrètes, na ya tatu, vigoureuses, ni matendo ya conscientes, ya nguvu na ya zamiri, qui sont posées par ces hommes et ces femmes pour réaliser leur mission. Ambazo zinatenda na hao wanaume na wanawake kwa kutimiza kazi yao. Amen. Amen. Retenez bien ces trois choses. Mushike vizuri haya mambo tatu. Ce sont aussi ces trois domaines. Ni hii uwanja tatu pia. Qui sont les cibles de prédilection de l'ennemi. Ambao inakuwa mafuatilio ya ushambulizi ya adui. Pour nous attaquer. Ili aweze kutushambulia. En vue de nous faire stagner. Ili atubakilishe fasi moja. L'ennemi attaque nos cœurs. Adui anashambulia mioyo yetu. L'ennemi attaque notre mentalité. Adui anashambulia mafikiri yetu. L'ennemi attaque nos actions. Adui anashambulia matendo yetu. Vous avez retenu? Umeshika. L'ennemi attaque nos cœurs. L'ennemi attaque notre mentalité. L'ennemi attaque nos actions. On peut le dire ensemble. Tunaweza kuisema pamoja. J'aimerais que ça reste définitivement gravé dans nos cœurs. L'ennemi attaque quoi? Ndani ya mioyo yetu. Adui anashambulia nini? Et il attaque nos actions. Anashambulia pia matendo yetu. Je voudrais appeler ce chapitre le portrait d'une vie stagnante. Ningependa ni seme juu ya kipengele hiki juu ya maisha ambayo inabaki fasi moja. Le portrait. Kuonekana. Voulons un peu essayer d'aller là dedans. Tunahitaji tuingie humo ndani. Depuis dimanche. Tangu siku ya Mungu. Nous essayons de montrer. Tunajikaza kuonyesha. C'est que c'est qu'une destinée qui réussit. Ni nini hatima ambayo inafanikiwa. Nous avons largement parlé. Tumezungumza sana. Des voies et moyens qui nous permettent. Juu ya njia ambazo zinaturuhusisha. D'évoluer. Kuendelea. D'avancer. Kusonga mbele. Dans la vie. Ndani ya maisha. Dans notre mission. Ndani ya kazi yetu. Parce que on ne peut pas vous parler de stagnation. Sababu hawezi kukuzungumzia kubaki fasi moja. Ou je ne devrais pas vous parler de stagnation. Ama singepaswa kuwazungumzia kubaki fasi moja. Sans me rassurer. Bila kuhakikishwa. Que vous comprenez une vie qui avance. Ya kwamba mnaelewa maisha ambayo inasonga mbele. Tu peux dire à quelqu'un. Unaweza kumwambia mtu. Ma sœur. Dada yangu. Ta vie stagne. Maisha yako inabaki fasi moja. Eva te dit non. Atakuambia hapana. Moi j'avance. Mimi naendelea. Parce qu'elle ne sait pas. Sababu hajui. C'est quoi avancer. Ni nini kuendelea. Elle pense. Anafikiri. Que c'est qu'elle vit là. Ya kwamba anayoishi hapo. C'est ça avancer. Hiyo ndiyo kusonga mbele. Pourquoi tu penses que tu avances? Sababu gani unafikiri ya kwamba unaendelea? Mais mon cher, je me suis marié hier. Si nilifunga ndoa jana. Moi j'avance. Mimi naendelea. Tout le monde m'aime. Kila mtu ananipenda. Les gens me bénissent à gauche à droite. Watu wananibariki kwa moi j'avance. Wakati sababu mimi naendelea. Est-ce cela avancer? Je ni hii ndio kuendelea. Alors si nous ne comprenons pas. Kama hatuelewe. C'est quoi avancer? Ni nini kuendelea? Il sera difficile de comprendre. Itakuwa vigumu kuelewa. C'est quoi stagner? Ni nini kubaki fasi moja?
Alors on va commencer de parler maintenant de la stagnation. Sasa tutaanza kuzungumzia kubaki fasi moja. Et demain, na kesho, notre frère pasteur Noah, ndugu yetu mchungaji Noah, va prendre le micro. Atachukua mic. Et il va continuer pendant quelques jours. Nataendelea kwa siku. On peut acclamer le Seigneur pour sa présence. Tunaweza kumshangilia Bwana kwa ajili ya uwepo wake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, il est au rendez-vous. Na Mungu iko mahali hapa. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. La stagnation kubaki fasi moja est définie, inaweza kueleweka, comme ceci. Kama hivi. Dans le dictionnaire, ndani ya kamusi, c'est l'état fâcheux, ni hali mbaya, d'immobilité, ya kubaki pale pale, d'inactivité, ya kubaki bila kutenda kitu. C'est aussi défini comme, inaweza kueleweka pia, inertie, kubaki bila kutenda, marasme, ndani ya usingizi, etc. Na mengineyo. C'est aussi défini comme, inaweza kueleweka pia, absence de progrès, kama kukosekana kwa maendeleo, absence de progrès, kukosekana kwa maendeleo, absence de développement, kukosekana kwa kukomaa. Et moi j'ai essayé de rassembler ceci pour formuler une chose, une définition. Jambo moja. Elle peut ne pas être exhaustive. Inaweza kuwa sio mwisho. Comprenez stagnation comme, mwelewe kubaki fasi moja kama, arrêt de progression, kusimamisha maendeleo, sous diverses formes, kwa njia mbalimbali, à divers niveaux, kwa ngazi mbalimbali, et pour diverses raisons. Na kwa ajili ya sababu nyingi. Vous avez noté? Mumeandika. Arrêt de progression, kusimamisha maendeleo, sous diverses formes, kwa njia nyingi, à divers niveaux, kwa ngazi nyingi, pour diverses raisons. Na kwa sababu nyingi. La stagnation kubaki fasi moja n'est jamais la volonté de Dieu. Siyo mapenzi ya Mungu hata siku moja. Et nous pouvons stagner na tunaweza kubaki dans divers domaines. Ndani ya uwanja mbalimbali. Et nous pouvons stagner na tunaweza kubaki fasi pour moja divers raisons. Kwa ajili ya sababu nyingi. Or, ijapokuwa stagner, kubaki fasi moja, c'est l'état fâcheux, ni hali mbaya, de non progression, ya kuto kuendelea. Il y a un grand bonheur, kuna heri kubwa, pour quiconque progresse, kwa yeyote anayeendelea ndani ya maisha. Les hommes et les femmes qui ne progressent pas, wanaume na wanawake wasioendelea, et qui ne sont pas conscients de cela, na ambao hawajui hii, donnent l'air d'être heureux. Wanaonekana kama wanaheri. Oh, l'impression que ça va. Ukiwaona unaweza fikiria kwamba mambo ni sawa. Mais quiconque, lakini yeyote, a compris ce dont nous avons partagé depuis le dimanche, ambaye amelewa ile ambayo tunazungumzia tangu siku ya Jumapili, et qui a compris na ambaye amelewa que sa destinée c'est une grande mine de richesse, ya kwamba hatima yake, et que ce qu'il vit aujourd'hui est rien par rapport à ce que Dieu a prévu, na ile anayoishi leo ni bure kufuatana ile ambayo Mungu alitayarisha, et qui a compris na ambaye amelewa que sa carrière est ouverte, ya kwamba kazi yake imefunguliwa. Mais qui se retrouve en train de vivre le contraire de ces choses? Lakini ambaye anajikuta anaishi kinyume ya mambo haya. Si c'est un être normal, kama ni mtu ambaye ni mzima, il va être triste. Atahuzunika. Il va pas rester tranquille. Hatabaki na amani. Bwana asifiwe. Amina. Dans le troisième épître de Jean, verset 2, il est écrit, je souhaite que tu progresses, prospères en tous égards, et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme.
hali ya nafsi yako inavyoendelea. Que tu progresses, que tu prospères, que tu réussisses en tous égards. Uendelee, ufanikiwe, ufaulu. C'est-à-dire dans tous les domaines. Ni kusema kwa uwanja yote. Dieu t'invite à réussir dans tous les domaines. Mungu anakualika ufanikiwe ndani ya viwanja vyote. Dieu est disposé à t'aider à progresser en tous égards. Mungu iko tayari kwa kukusaidia uendelee ngambo zote. Dans le domaine intellectuel, ndani ya uwanja wa akili, dans le domaine de santé, ndani ya uwanja wa afya, dans le domaine de la famille, ndani ya uwanja wa jamaa, dans le domaine des projets, ndani ya uwanja wa miradi, dans le domaine des perspectives, ndani ya uwanja wa matarisho. Dieu veut que tu progresses. Tu as longtemps traîné là où tu es. Umebaki siku nyingi mahali ulipo. C'est désagréable ni vibaya et dégoûtant na mbaya sana une vie qui n'avance pas. Maisha ambayo haiendelee. Nous avons un exemple concret. Lorsque tu as un enfant qui n'évolue pas, est-ce que ça te fait du plaisir? Tunakuwa na mfano ambao unaonekana wakati una mtoto ambaye akomae, je, inakufurahisha? Vous voudriez que cela plaise à Dieu au ciel lorsque nous n'avançons pas? Ungependa sasa Mungu mbinguni afurahi wakati hatuendelee? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, de même, hivyo, que le progrès jinsi maendeleo est du ressort inatokea de nos cœurs vifs, ndani ya moyo wetu, de notre mentalité, ndani ya mafikiri yetu, et de nos actions, na ndani ya matendo yetu. Je vais revenir pour mieux le dire. Nitarudilia kwa kuisema vizuri. Le progrès, maendeleo, les avancées, ma kusonga mbele, dans notre destinée, ndani ya hatima yetu, dépendent zinalingana des cœurs de qualité, na moyo wa hali nzuri, d'un esprit de qualité, roho ya hali nzuri, dépendent d'une mentalité de qualité, na mafikara mazuri, dépendent inalingana des actions de qualité, na matendo mazuri. Alors, de même hivyo, que ceci, ce terrain-là, ndani ya uwanja que nous tirons nos progressions, ambao tunaondoa maendeleo yetu, c'est aussi ni hivyo ce pia terrain-là, ndani ya uwanja huo, qui sont les cibles, ambao ni du monde des ténèbres pour nous faire stagner. Ili tubaki fasi moja. Lorsque notre esprit ne fonctionne pas bien, wakati akili yetu haitumike vizuri, lorsque dans notre esprit il y a des difficultés, wakati ndani ya roho yetu kuna shida, lorsque notre cœur a cessé d'être un cœur de qualité, wakati moyo wetu umeacha kuwa moyo mzuri, le diable, Shetani, vient dedans, anakuja ndani, et nous fait faire des choses, na anatufanyisha mambo, qui nous empêche d'évoluer, ambao inatuzuiza kuendelea. On pourrait dire une grande joie dans le monde des ténèbres. Tungeweza kusema kuna furaha kubwa ndani ya ulimwengu wa giza. Lorsque un homme stagne. Wakati mtu mmoja na amua kubaki fasi moja. Pourquoi c'est pas bon de stagner? Sababu gani si vizuri kubaki fasi moja? La Bible dit, Biblia nasema, que celui qui est debout, anaye wazia kwamba anasimama, prenne garde, afanye angalisho, de tomber, ili asianguke. Lorsque tu fais le surplace, wakati unabaki fasi moja, ou lorsque tu restes surplace, ama wakati unabaki pale pale, tu vas te retrouver en train de reculer. Utakuta uko na rudi nyuma. Parce que le monde, sababu dunia, nous aspire toujours inakuwa kila mara vers le bas, ikituvutia kwa kushuka. Mais lorsque nous sommes actifs, lakini wakati tunakuwa tukitenda, et que l'énergie de Dieu fonctionne en nous, na nguvu ya Mungu iko natenda ndani yetu, cette énergie, hii nguvu, sera en train de nous amener plus en avant, itakuwa iko natupeleka mbele zaidi. Quand tu fais le surplace, wakati unabaki pale pale, prépare-toi, ujitayarishe, à dégringoler, kurudi nyuma ama kushuka chini. Même au plan financier, hata kwa kiuchumi, lorsque tu n'avances plus financièrement, wakati uendelee tena kiuchumi, le peu d'économie que tu avais, ile akiba ndogo uliyokuwa, tu commences à le vider, unaanza kuitumia. Même au plan spirituel, hata kwa kiroho,
Lorsque tu ne te recharges plus, wakati hauchipakize tena, et tu te contentes de peu d'énergie que tu avais avec le séminaire du tournant décisif, na unajifurahisha tu na ile nguvu ambayo ulipokea ndani ya mkutano wa tournant décisif ama neema sio na kipimo. Tuliomba sana. Ah, mutuache. Laisse-nous en paix. Oh, des semaines. Wiki mbili. Hallelujah. Amen. Si tu restes comme ça, ukibaki hivyo, le peu d'énergie spirituelle, ile nguvu kidogo ya kiroho, que tu as, ambayo unayo, va finir par se vider. Itabaki na itabaki wazi. Nous avons besoin de la force de tous les jours. Tunahitaji nguvu kila siku. Pour les défis de tous les jours. Kwa ajili ya shida za kila siku. Même les soulards peuvent nous donner des leçons. Hata walevi wanaweza kutupatia. Qui était soulard dans le passé? Wanaweza kutupatia. Levez la main. Nani aliyekuwa mlevi wakati uliopita? Mnyoshe mkono. Haya, mnyoshe mikono. Si mlikuwa ba soulard. Levez vos mains, ceux qui étaient des soulards. OK. Alors tous ces amis peuvent nous donner la leçon. Sasa hao rafiki wote wanaweza kutupatia somo. Vous ne saurez pas être ivre. Hautakuwa hautalewa vizuri. Pour toute la semaine. Wiki nzima. Ça marchait? Il était. Est-ce que vous arriviez à être je bois aujourd'hui pour être ivre toute la semaine. Unasema nitakunywa leo ili ni kuwe na lewa juma yote. Est-ce que ça marchait, hein? Le fait. Je mambo hiyo liendeka. Fait vous n'êtes plus là-bas quoi. Amuko tena kule. On peut communiquer. Ni kusema tunaweza zungumza vizuri. Amuko tena ndani. Est-ce que ça marchait? Je ile mambo inaweza kuendeka. Vous aviez besoin. Mulikuwa mnahitaji. D'un verre de chaque jour. Kukunywa. Pour être ivre ce jour-là. Siku ili mlewe siku hiyo. C'est vrai. Ni kweli. Pour avoir l'énergie spirituelle, ili upate nguvu ya kiroho, nous avons besoin de progresser. Tunahitaji kuendelea. De nous ressourcer chaque jour. Tujipakize kila siku. D'être fort chaque jour. Tukue na nguvu kila siku. De lire la Bible chaque jour. Kusoma Biblia kila siku. De prier chaque jour. Kuomba kila siku. D'aller à la prière chaque jour. Kwenda kwa maombi kila siku. De nous recharger chaque jour. Kila siku kujipakiza. Il n'y a pas d'économie. Hakuna akiba. Bwana sifiwe. Amen. Les attaques au niveau de notre cœur. Mashambulizi kwa ngambo ya moyo wetu. Essayons de parler de cela. Tuzungumzie hii kidogo. Pour nous faire stagner, l'ennemi attaque notre cœur. Adui anashambulia moyo wetu. Or, c'est dans notre cœur ou dans notre esprit ndani ya moyo wetu ama roho yetu que se déroule la vie spirituelle. Ambapo maisha yetu ya kiroho inakuwa iki. Quand l'ennemi touche dedans, tumika, shetani anapogusa ndani, la vie spirituelle dégringole. Maisha ya kiroho inaanza kushuka. C'est dans notre esprit ndani ya moyo wetu où on peut dire réside la lampe de notre vie. Ambamo kuna taa ya maisha yetu. La lampe de notre vie. Taa ya maisha yetu. C'est aussi dans notre esprit ni pia ndani ya roho yetu où se sème les mauvaises ou les bonnes choses. Ambamo mambo mazuri ama mambo mabaya yanapandwa. C'est dans notre esprit ndani ya moyo wetu que nous devenons mondains ou spirituels. Tunageuka watu wa dunia ama wa kiroho. Est-ce que vous êtes là? Je muko hapo. Vous êtes toujours là? Mungali hapo. C'est pourquoi il est écrit. Dieu m'en est m'indiqué. Dans Proverbes 4:23. Ndani ya kitabu cha Mezali 4:23. Garde ton cœur. Ulinde moyo wako. Plus que toute autre chose. Liko mambo yote. Car de lui. Sababu kutokea kwake. Viennent les sources de la vie. Ondoka chemchemu ya uzima. Du fait que Satan sait. Sababu shetani anajua. Que c'est dans notre cœur. Ya kwamba ni ndani ya moyo wetu. Que viennent les sources de la vie. Ambamo chemchemu za uzima hutokea. Il s'efforce. Anajikaza. D'attaquer à ce niveau-là. Ashambulie mahali hapo. Et le pasteur Noah va nous parler de ces choses-là demain. Na mchungaji Noah atatuzungumzia mambo haya kesho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Beaucoup de gens watu wengi paraissent spirituels wanaonekana kama ni wakiroho parce qu'ils viennent à l'église, sababu wanakuja kanisani, viennent dans les activités de l'église, wanakuja ndani ya mipango ya kanisa, mais leur esprit lakini roho yao est déjà bousillé, imesharibika. Et ils sont à l'église na wako kanisani comme des coquilles vides, kama vile vikarakasi ambavyo ni wazi. Dans 2 Timothée 3:5, il est écrit Timothée, ils ont l'apparence de la piété, wanaonekana kama vile watu wenye kumcha Mungu. Mais ils ont oublié, ils ont perdu ce qui a fait la force. Lakini wamepoteza inayofanya nguvu yake. Nous pouvons avoir la forme de la spiritualité. Tunaweza kuonekana kama tunakuwa wa kiroho. Et être vide de la spiritualité. Lakini ndani ni wazi hapo. Et lorsque ces choses nous arrivent, lakini wakati mambo haya yanatufikia, nous stagnons. Tunabaki fasi moja. Nous stagnons. Tunabaki fasi moja. Les hommes et les femmes wanaume na wanawake qui ne comprennent pas la valeur de leur esprit, ambao hawaelewi thamani ya roho yao, ils vivent vaille que vaille, wanaishi kiolela, et ils perdent na wanapoteza les richesses, utajiri que Dieu a déposé en eux, ambao Mungu aliweka ndani yetu. Regardez, tazama, tu peux recevoir Jésus dans ton cœur. Unaweza kumpokea Yesu moyoni mwako. Comme Seigneur et Sauveur. Kama vile Bwana na Mwokozi. Mais il ne vient pas dedans comme un dictateur. Na hakuje ndani kama vile ambaye atakuamrisha mambo yote. Il va vraiment te laisser faire. Atakuacha ufanye. Si tu ne veux pas obéir à ce qu'il te dit. Unayotaka kama hautaki kutii ile ambayo anakuambia. Il va vraiment te laisser tranquille. Atakuacha na amani. Il dit, je vais au Père, je vais vous envoyer un autre consolateur. Il sera avec vous, il sera en vous. Il vous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. Ok. Maintenant, sasa, si nous ne sommes pas responsables, le Saint-Esprit prendra de ce qu'il nous donne. Roma takatifu atachukua. Et ça nous servira à rien. Ya Mungu na tatupatia na itatusaidia kwa kitu sababu. Parce que nous n'avons pas été responsables. Sababu hatukuheshimu jukumu zetu. Jésus dit aux apôtres, Yesu anawaambia, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Wafuasi, msitupe lulu mbele ya nguruwe. Parce qu'ils vont fouler cela aux pieds. Sababu wataikanyaga kwa miguu yao. Alléluia. Amen. Parlons de notre mentalité. Tuzungumzie mafikiri yetu. La mentalité namna kufikiri est compris comme inaeleweka kama l'habitude de penser. Mwenendo wa mawazo. Tabia. Tabia ya mawazo. Une habitude de penser. Tabia ya mawazo. Compris aussi comme l'ensemble l'ensemble des manières d'agir de quelqu'un. Ujumla wa namna kufanya kwa mtu. L'ensemble des manières d'agir de quelqu'un. Ujumla wa namna kufanya kwa mtu. C'est aussi compris comme inaweleka pia l'ensemble des habitudes intellectuelles. Kama ujumla wa tabia za kiakili. Et l'ensemble des comportements caractéristiques. Na ujumla wa mienendo zetu. Et notre mentalité na namna kufikiri est kwetu au niveau de notre âme. Inakuwa ndani ya nafsi yetu. L'homme est tripartite. Mtu ana sehemu tatu. Esprit, ana roho. Âme, ana nafsi. Et corps, na ana mwili. La mentalité namna kufikiri est au niveau de l'âme. Inakuwa ndani ya nafsi. Et dans notre âme na ndani ya nafsi yetu se joue l'arbitrage kunakuwa kuamua entre la chair et l'esprit. Kati ya mwili na roho. Si vous êtes toujours là. Je mungali hapo. Est-ce que ça passe? Je mambo inaeleweka. Je peux vous voir? Naweza kuwaona. Est-ce que ça va? Mambo ni sawa. Ça va? Oui.
Dans notre âme se joue l'arbitrage. Dania moyo wetu kuna uamuzi. Vous pouvez voir cela dans Galates chapitre 5 verset 16 et suivant. Na hii mnaweza kuiona ndani ya Galatia sura 5 16 na kuendelea. Marchez par l'esprit. Imeandikwa mtembee kwa roho. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Na hamtatimiza tamaa za mwili. Car les désirs de la chair sont contraires. Sababu tamaa za mwili ni kinyume. Au désir de l'esprit. Na tamaa za roho. Et donc jouez bien l'arbitrage. Na nikusema muamue vizuri. Pour que ili vous deveniez soit charnel. Mukuwe wa kimwili, soit spirituel. Ama mukuwe wa kiroho. C'est au niveau de l'âme. Ni ndani ya nafsi. Et c'est à ce niveau ni, nani kwa ngambo que hiyo se retrouve la mentalité. Ambapo muna namna kufikiri. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, watu wengi, béni, waliobarikiwa, ouin, ambao wamepakaliwa mafuta, ne sont pas arrivés à destination, hawakufikia mali walipoendea, parce que l'ennemi les a attaqués, sababu adui aliwashambulia, au niveau de leur mentalité, ndani ya namna kufikiri kwao, et toute la richesse qu'ils avaient reçue, na utajiri wote waliopokea, a été tourné à dérision, ikageuka kuwashambulia, a été réduit à rien, ikakuwa bure. Vous avez vu, muliona, vous en avez parlé hier ou avant-hier, nilizungumzia jana ama juzi, les hommes ouin, watu waliopakaliwa, serviteur de Dieu. Watumishi wa Mungu. Certains même deviennent grands serviteurs de Dieu. Wamoja wanageuka hata watumishi wakubwa wa Mungu. Mais à cause de l'apport d'une mauvaise mentalité. Lakini sababu ya mafikiri mbaya. Ils se retrouvent en train d'être roulés par des trucs simples. Wanakutana wakichengwa na vitu vidogo vidogo. Et on se pose la question, ton onction est parti où? Na unajiuliza swali, upako wako umeendea wapi? Dit Seigneur, je veux être responsable. Sema Bwana, nahitaji kuheshimu jukumu zangu. Dit encore Seigneur, je veux être responsable. Sema tena Bwana, nahitaji kuheshimu jukumu zangu. Je vous ai partagé dans 1 roi 12. Et suivant l'expérience de Roboam, qui a perdu 10 tribus de sa nation, parce qu'il a été récupéré par la mentalité des amis de la jeunesse. Quand on jouait au foot dans les quartiers, il y avait une certaine mentalité. Et quand il devient roi de toute la nation d'Israël, cette mentalité, la jeunesse le récupère. Parce que dans la jeunesse, la Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Upumbafu est attaché au cœur de l'enfant. Unambatana na moyo wa mtoto. Maintenant, quand tu deviens roi, sasa unapokuwa mfalme, et que la mentalité de la jeunesse na mafikara sasa ya utoto est encore attachée à toi, ingali nambatana na wewe, voici ce qu'il décida. Tazama aliyoamua. Avec les conseils des amis de la jeunesse. Pamoja na rafiki na shauri ya rafiki zake za utoto. Anasema, si mon père vous a fait souffrir, kama baba yangu aliwatesa, moi maintenant je vais vous faire souffrir de manière plus meilleure. Mimi nitawatesa sasa vizuri tena sana. Ah bon? C'est quoi ça? Hii ni nini? C'est la folie, n'est-ce pas? Si ni upumbafu. Je vais vous montrer mon petit doigt kidole changu est plus grand que le rein de mon père. Cha kidogo ni kubwa kushinda hata na utumbutumbu wa baba yangu. Le rein. Figo. Voyez la mentalité de la jeunesse. Mnona hii mafikara ya utoto. Et le peuple vint le troisième jour pour l'écouter. Na taifa kakuja siku ya tatu. Écoutez ce que le peuple dit. Sikiliza sasa ambayo watu wanasema. J'imagine cette grande rencontre. Naona hii ni mkutano mkubwa. Après qu'il ait fini de faire ce discours, kisha kumaliza hotuba yake, le peuple lui dit, watu wakamwambia, alors, sasa, quelle part avons-nous avec David? Tuna sehemu gani na Daudi? Ils n'ont pas dit avec Salomon. Hawakusema pamoja na Salomono. Il se souvient du bon roi.
Wanakumbuka mfalme mzuri. Ils se souviennent de là où ça avait commencé. Wanakumbuka mali ilianzia. Le roi David ne nous faisait pas ça. Mfalme Daudi akutufanyia hii. Qu'est-ce qui détruit Roboam? Nini ambayo inamharibisha Roboamu? La mentalité. Namna kufikiri. La mentalité namna kufikiri est confectionnée en nous. Inatengenezwa ndani yetu. Par les fréquentations, kupitia watu tunawazoea, par les choses auxquelles nous nous habituons, kupitia mambo tunayoyazoea, par les choses que nous permettons d'entrer dans notre cœur, kupitia mambo tunayoruhusu ingie ndani ya moyo wetu, ndani ya maisha yetu, les pratiques, les comportements auxquels nous nous habituons, mambo mwenendo tunayoyazoea, les fréquentations auxquelles nous nous habituons, watu ambao tunawazoea, confectionnent en nous zinatengeneza ndani mwetu une mentalité. Mafikara. C'est-à-dire une forme de pensée. Ni kusema namna ya une mawazo. Habitude de comportement. Ni kusema tabia ya mwenendo. Et cela est néfaste parce que na hii inaharibisha si sababu. Ce n'est pas une mentalité de Dieu, kama si mafikiri ya Mungu, alors c'est une mentalité destructrice. Ni mafikara ya kuharibisha. Qui nous amène à la dérive. Na ambayo inatupeleka kwa kushindwa. Romains 12:1-2. Warumi 12 moja ni il est écrit, imandikwa, soyez transformés, mubadilishwe, par le renouvellement de votre intelligence. Kupitia kuwekwa upya kwa akili yenu. Le renouvellement de votre intelligence. Kuwekwa upya kwa akili yenu. Le renouvellement de votre mentalité. Kuwekwa upya kwa namna kufikiri kwenu. Dans Ephésiens 4:23. Il dit être renouvelé par dans l'esprit de votre intelligence. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Soyez renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est-à-dire dans le socle de votre mentalité. C'est-à-dire dans la racine de votre mentalité. Soyez renouvelé. Dites au Seigneur, renouvelle-moi Seigneur. Renouvelle-moi Seigneur. Dans ma mentalité. Dans l'esprit de mon intelligence. Dani ya roho ya akili yangu. Alléluia. Amen. J'aime un texte dans la parole. Napenda andiko moja ndani ya neno. 1 Corinthiens chapitre 9. Wa Korinto wa kwanza sura 9. Verset 16. Mstari wake wa 16. Jetez un coup d'œil là-bas. Naweza kusoma hapo. C'est vrai, Paul parle de ses droits. Hakika Paulo anazungumzia haki zake. Il parle de ses droits. Anazungumzia haki zake. Mais il donne une phrase très très riche. Lakini anatoa msemo ambao una utajiri mwingi. Que j'aimerais que tu retiennes une fois pour tout. Ambao ningependa ushike. 1 Corinthiens 9:16. Wa Korinto wa kwanza 9 mstari wake wa 16. Il est écrit. Imeandikwa. Si j'annonce l'évangile, kama natangaza injili, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Sio kwangu jambo la utukufu. Car la nécessité m'en est imposée. Sababu napaswa kuifanya. Et malheur à moi. Na ole kwangu. Si je n'annonce pas kama l'évangile. Sitangaze injili. Regardez une mentalité qui serait attaquée. Tazama sasa mafikiri ambayo utashambuliwa. Elle dirait ceci dans cette phrase, dans ce verset. Angesema hivi ndani ya hii shahili. Là où Paul dit malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Mahali ambapo Paulo anasema ole kwangu kama sitangaze injili. Une mentalité de stagnation dirait. Mafikiri ya kubaki fasi moja naweza kusema. Comprenez-moi. Munielewe. Si je n'annonce pas l'évangile. Kama sitangaze injili. Allô? Allô. Tolérez-moi. Munivumulie, munichukulie. Si je n'annonce pas l'évangile. Kama sitangaze injili. Dieu. Mungu. Na wewe uko mtu. Si comprends-moi. Unielewe. Si je n'annonce pas l'évangile. Kama sitangaze injili. Ça c'est la manifestation de la mentalité. Hii ni kuonekana kwa mafikiri. Regardez Paul. Tazama Paulo. Il est dévoué à Dieu. Anajitolea kwa Mungu. Au point que hata sa mentalité est devenue mafikiri yake megeuka. L'évangile ni kuhubiri injili. Accomplir ma destinée. Kutimiza hatima yangu. Ou rien. C'est devenu une mentalité. Imegeuka mafikiri. Au point qu'il dit, hata anasema, si je ne le fais pas, kama siifanye, que le malheur vienne sur moi. Ole mateso yakuje juu yangu. Est-ce que vous êtes capable de dire ça ce soir? Je uko tayari kusema hivi. Malheur à moi. Ole kwangu. Si je n'accomplis pas ma destinée. Kama sitimize hatima yangu.
C'est-à-dire la conscience forte de notre destinée l'a amené à considérer que sa destinée est tellement précieuse qu'il peut mériter la punition s'il n'accomplit pas sa destinée. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on ne connaît même pas notre destinée. Nous naviguons vaille que vaille. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça vous arrive? Seigneur, je devais me réveiller maintenant à 4h pour prier. Comprends-moi si je ne prie pas. Vous avez vu ça? Seigneur, je devais aller à l'évangélisation. Comprends-moi si je n'y vais pas le samedi. Seigneur, je devais aider cette personne. Mais comprends-moi. Seigneur, aujourd'hui, je devais lire mes cours. Parce qu'on a examen demain. Mais comprends-moi, si je ne lis pas mes cours. Vous voyez la mentalité? La mentalité de tolérance personnelle. La mentalité de complaisance dans la bassesse. De complaisance dans la faiblesse. De complaisance dans... Dans les choses qui ne marchent pas. Alors tourne-toi à gauche, à droite, demande-lui, est-ce que tu n'as pas cette mentalité? Est-ce que tu ne l'as pas? Malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Alléluia. Amen. Le troisième domaine qui est attaqué pour la stagnation, je disais, c'est les actions. Le diable n'aime pas que nous puissions poser des actions de qualité. Mais les actions dépendent de l'esprit et de la mentalité. Retenez encore. Nos actions, la qualité de nos actions dépendent de la qualité de notre esprit et de la qualité de notre mentalité. Les gens qui ont un esprit tronqué, les gens qui ont un esprit déjà stagnant, qui ont une mentalité stagnante, ne sauront pas poser des actions de qualité. Hawatajua kufanya matendo mazuri. Unasinzia. Angalia pembeni yako nani anasinzia. Regarde à côté de toi qui est en train de somnoler. Ce sont les attaques à votre progrès. Hii inakuwa ni mashambulizi kwa kuendelea kwenu. L'ennemi essaie de faire déjà. Na shetani anapima kuifanya sasa. Pour que ces vérités vous échappent. Ili ukweli hii usiisikilize. Afin que vous soyez un terrain facile pour lui. Ili ukuwe uwanja ambao anaweza kuingia kwa urahisi. On acclame le Seigneur. Tunamshangilia Bwana. Regardez l'expérience de Salomon. Mtazame maisha ya Salomono. Dans 2 Chroniques, chapitre 1er. Lorsque vous regardez la vie de Salomon, vous y retrouvez deux phases. Ou même trois. La première phase, c'est cet homme de Dieu qui se réveille le matin et convoque le peuple pour aller donner des sacrifices à Dieu. Dans ce chapitre, nous le voyons. C'est cet homme de Dieu qui avance, qui fonce et qui a les bénéfices. Il voit les bénéfices de sa destinée. Nous avons vu hier ou avant-hier que celui qui progresse dans l'expérience de Jésus, il reçoit richesse, puissance, force, gloire. Vous vous rappelez de cela? Lorsque Salomon fonctionne
De la même manière comme son père David, na wakati Salomon il reçut baba sagesse, Daoud, akapokea hekima, puissance, akapokea uwezo, richesse, akapokea utajiri, gloire, akapokea sifa, et ainsi de suite. Na mengineyo. Écoute mon frère, na sasa sikiliza ndugu yangu, les choses que la Bible dit mambo ambayo Biblia inasema sont vraies pour tous. Ni kweli kwa ajili ya watu wote. La vérité de Dieu est universelle. Ukweli wa Mungu inaambatana na watu wote. Si tu t'engages à la pratiquer aujourd'hui, ukijitoa tu kuitenda leo, tu vas vivre aussi. Utaishi pia. C'est que Salomon a vécu. Ile ambayo Salomon aliishi. Tu vas vivre ce que Jésus a vécu. Utaishi ile ambayo Yesu aliishi. C'est universel. Na ni kwa watu wote. Salomon a bien commencé. Salomon alianza vizuri. Son esprit est un esprit de qualité. Na roho yake ilikuwa ni roho mzuri. Il pose des actes corrects. Ambao inafanya matendo mazuri. Et ces actes corrects, na matendo haya mazuri, lui attire Dieu. Inamletea Mungu. Inamvutia Mungu. Allô? 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 Vous êtes très fatigué. Nachoka. Levez-vous, on va prier une minute. Msimame tutaomba dakika moja. Dites Seigneur. Sema Bwana. Je ne veux pas rater ce moment. Sitaji nipoteze wakati. Levons-nous. Tusimame sote, tusimame. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Je tunaweza kujinyorosha. On peut balancer les pieds. Unaweza kutikisa miguu. Et tu vas dire Satan. Na utasema Shetani. Prie avec moi. Sema pamoja nami. Dites Satan. Sema Shetani. Tu n'as pas de place ici. Hauna nafasi hapa. Je suis en entretien avec l'Éternel. Mimi niko nazungumza pamoja na Bwana. Le Dieu de mes avancées irrésistibles. Mungu wa kuendelea kwangu bila kupingwa. Tu ne sauras pas me résister. Hautajua kunipinga. Je suis en train d'apprendre à te vaincre. Niko najifunza kukushinda. Et je marche sur tes œuvres. Na natembea kwenye matendo yako. Je détruis tes flèches. Naharibu mshale zako. J'anéantis tes œuvres. Na wekwa au nom de Jésus. Va-t'en et quitte ces lieux. Enda na utoke mahali hapa. Laisse-moi tranquille. Uniache na mahali. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Asseyons-nous. Tunaweza kuketi. Au fil de temps, kwa wakati unapoendelea, à force de faire face à la pression de la hauteur, zaidi ya kuwa mbele ya kuinuliwa, la mentalité de Salomon, mafikiri ya Salomono, a commencé à décliner, ikaanza kushuka. Sa mentalité a commencé à être modifiée, na namna kufikiri kwake ikaanza kubadilishwa négativement, vibaya. La pression des richesses, kuwa na utajiri, a commencé à affecter sa mentalité, ikaanza kugusa namna yake ya kufikiri. La pression des opportunités, kukuwa na wakati mzuri, des femmes séduisantes, ya wanawake ambao wanatisha, les opportunités des femmes séduisantes, kupata wanawake wazuri. La pression de ces opportunités, kupambana na a commencé à modifier sa manière de voir, ikaanza kugeuza vibaya namna yake ya kutazama. La pression du pouvoir, kusukumwa na c'est moi le roi, mimi je suis le grand roi, mimi ndimi mfalme, a commencé à le modifier, ikaanza kumgeuza. La pression du pouvoir, kupambana na mamlaka, qui fait que tout est permis, on a l'impression que tout est permis, ambao nacho nafikiria kwamba yote na kuruhusiwa, je suis capable de tout, sababu naweza yote, a commencé à faire pression sur sa mentalité, ikaanza kugeuza namna yake ya kufikiri. La pression des rencontres avec des peuples étrangers, kukutana na inchi ama taifa ya wageni, d'autres rois qui viennent le visiter, wafalme wengine wanaokuja kumtembelea, il l'admire, wanamfurahia, il se sent bien, anajisikia vizuri, il leur demande comment eux gèrent chez eux, anawauliza namna gani wanatawala kwao, il salue leur femme, anasalimu wanawake wao, comment va ta femme, mke wako anaendeka namna gani, et ce roi étranger lui dit, na ule mfalme wa mgeni anamwambia, moi j'ai quatre femmes, mimi na wanawake
La pression de ces fréquentations. Je vous ai dit que la mentalité provient de quoi? De ces fréquentations. De ce à quoi on s'expose habituellement et chaque jour. Ça façonne notre mentalité. Alors Salomon était grand roi comme un chef des États-Unis aujourd'hui. Les belles femmes du monde viennent le voir. La reine de Seba vient le voir. Et il fait un enfant avec. Enfin, il semble. Alléluia. Amen. Ces choses-là mambo haya ont commencé à modifier ikaanza kugeuza sa mentalité. Namna yake ya kufikiri. Il a bien commencé. Alianza vizuri. Mais il a mal fini. Lakini alimaliza vibaya. 300 femmes. Wanawake 300. 700 concubines. Alikuwa na wahabara 700. Impliquées dans leurs idoles. Ambao walikuwa wanamutia ndani ya miungu zao. La colère de Dieu descend. Na hasira ya Mungu ikashuka. Hier. Jana. C'était la faveur de Dieu. Ilikuwa ni kibali cha Mungu. La mentalité de mauvaise qualité. Na hii mafiki. Kara ya mbaya, lui attire les malheurs. Ikamletea sasa lui attire l'éloignement de Dieu. Ikamletea sasa kukua mbali na Mungu. La troisième phase de sa vie. Na, hatua ya tatu il s'est ressaisi à la fin de sa vie. Anakuja sasa, anajipata kwa mwisho wa maisha yake. Et il écrit tous ces livres que vous connaissez comme Ecclésiaste. Na kandika hii kitabu cha Mhubiri mnachokijua. Il regrette. Anakuwa kijuta. C'est à la fin de sa vie. Na ni kwa mwisho wa maisha yake. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Ningependa nimwambie hivi mtu. Ce n'est pas bien finir sa vie sio kumaliza vizuri maisha yako lorsqu'on a gâché la grande partie de sa vie wakati umepoteza sehemu kubwa ya maisha yako et qu'on se repent à la fin. Na unatubu kwa mwisho. Beaucoup des êtres humains watu wengi disent laissez-moi wanasema mniache quand je vais approcher la mort je vais me repentir wakati nitakaribia kifo nitatubu. Même quand tu te repens hata wakati unatubu à la fin de ta vie kwa mwisho maisha yako et que tu gagnes une âme ou deux na una quelques bonnes heures ama unafanya matendo deux mois à vivre mazuri kidogo na tukubakilia miezi kidogo uishi. Je pense que ce n'est pas bien finir sa vie. Mimi siwazia kwamba hii ni kumaliza vizuri maisha yako. Tu seras sauvé comme au travers du feu. Utakuwa umeokolewa kama kupitia moto. Tu vas entrer au ciel. Hakika utaingia mbinguni. Mais regarde lakini tazama les conséquences de ta longue vie loin de Dieu matokeo ya maisha yako marefu mbali na Mungu vont rattraper ta progéniture yatakuwa yanakutana na uzao wako. Les conséquences de ta longue vie loin de Dieu matokeo mabaya ya maisha yako mrefu mbali na Mungu va laisser des marques indélébiles itaacha machapa du déshonneur ya kukosa heshima que tu as laissé sur Dieu. Haya, regarde, aujourd'hui nous parlons des 1000 femmes de Salomon. Leo tunazungumzia wanawake. Est-ce que c'est une gloire? Je ni utukufu. Est-ce que c'est une gloire? Je ni utukufu. Allô? Allô? C'est une gloire? Je ni utukufu. Mais pourquoi nous parlons des choses qui ne sont pas gloire? Sababu gani tunazungumzia sa mambo ambayo sio utukufu? Parce que ce sont des marques négatives. Sababu inakuwa ni chapa mbaya. Qui sont restées jusqu'aujourd'hui? Ambao imebaki hadi leo. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Je kuna vijana hapa. Je peux attendre vos pieds. Naweza kusikia miguu yenu. Les jeunes. Vijana. J'aimerais vous dire ceci. Ningependa niwaambie hivi. Muko na bahati. Vous avez de la chance. De connaître Dieu à temps. Kumjua Mungu mbele. Vous avez de la chance. Muna bahati. Il y a des gens qui connaissent Dieu en retard. Kuna watu wanaomjua Mungu wakiwa wamechelewa. Et même quand il faut un peu d'effort. Na hata wakijikaza kidogo. Pour essayer de payer les dégâts du passé. Ili wapime kutengeneza waliharibisha. Wakati uliopita au rekebisha. Dieu c'est vrai, c'est un Dieu de miséricorde. Il va te faire entrer au ciel. Mais j'aimerais parler quand même aux adultes qui sont ici. Si tu t'es converti en retard, tu viens de bien faire. Alors tu as intérêt à racheter l'état. Rachète l'état.
Ce que les autres allaient faire calmement pendant 30 ans, 50 ans. Il amba wengine wangefanya pole pole. Toi, tu n'as que 2 ans pour le faire. Wao na miaka tu mbili. Tu comprends les affaires d'état destiné. Unaelewa mambo ya mapema. Mais il te reste 3 mois à vivre. Lakini nakubakilia tu miezi 3 ili uishi. C'est triste, hein? Ni kuzunisha. Alléluia. Amen. Voici quelques forces ou quelques formes d'attaque tazama de stagnation. Ya mashambulizi ya kubaki fasi moja. Retenez ceci. Mushiki hii. Le fantôme de la stagnation. Kizimu ama mzuka wa kubaki fasi moja. N'hésite pas d'attaquer. Haikose kushambulia. Même celui qui n'a pas encore commencé à entrer dans sa destinée. Hata ule ambaye hajaanza kuingia ndani ya hatima yake. Wanashambulia. Même cet œuf qui est encore en train de vouloir être en gestation. Hata hii yai ambayo iko natafuta kukomaa. C'est pourquoi vous allez voir. Ndio maana utaona. Que l'ennemi n'aime pas que les gens comprennent les choses importantes de leur vie. Parce que quand tu comprends les choses importantes de ta vie, ça te permet de décoller. Alors il peut t'arrêter à la source. Il t'arrête à la source. On pourrait dire il te tue dans l'œuf. Tu n'as même pas encore décollé. Mais il fait tout pour te priver de connaissances importantes. Il te prive des opportunités importantes. Il te prive des occasions où tu peux être activé. Et tu restes vivre au départ de ta vie. Jusqu'à la fin de ta vie. Vous voulez ça? Mais il attaque aussi à longueur de notre avancée. Même lorsque nous avons atteint un stade élevé de notre progression, il attaque là-bas. Le cas de Salomon, n'est-ce pas? Salomon est dans la gloire. Il est dans les victoires spirituelles. Mais le diable n'hésite pas de l'attaquer. Même dans cette sphère-là. Dans Ecclésiaste, Salomon dit, j'ai dit à mon cœur, je vais te donner tout ce que tu vas me demander. Je vais t'offrir tous les plaisirs, tout ce que tu veux. Ecclésiaste. C'est Salomon qui révèle ce qui s'était passé dans son cœur. Mais cette chose n'est pas arrivée dans le cœur de Salomon au début de son règne. Lorsque quelqu'un commence à dire, je vais donner à mon cœur tout ce qu'il demande, c'est que cet homme est au niveau qu'on peut appeler apogée. Il a atteint le stade où tout est possible, tout lui est permis. Malheureusement, lorsque le diable lui injecte la piqûre de la mauvaise mentalité, il sombre dans la pensée de la jouissance. Il perd la vision de sa destinée. Je méditais sur ceci. Le but de Dieu avec Abraham, c'était de faire connaître Dieu au monde par Abraham. Et quand Salomon a réussi à comprendre Dieu, et que Dieu lui promet des richesses incompréhensibles, c'était une façon de Dieu de donner à Salomon l'occasion de propager les dieux d'Abraham dans le monde entier. C'est-à-dire les gens viennent à Israël pour voir la gloire de Salomon, pour voir la puissance de cette nation. Malheureusement, quelle leçon il rentre avec? Avoir 300 femmes,
Ils devraient rentrer avec quel message? Wangerudi na ujumbe gani? Le Dieu d'Abraham. Mungu wa Abraham. Il rentre avec quel message? Anarudi na ujumbe gani? Donc, on peut avoir 300 femmes et réussir. Ni kusema unaweza kupata wanawake 300 na uweze. Une femme par jour, par an. Ni kusema unalala kwa mwanamke moja kila siku moja kwa mwaka. Et durant 3 ans, na kwa miaka 3, on termine les 1000 femmes. Unamaliza wanawake 1000 wote. C'est le message que tu donnes au monde Salomon. Na hii ndio ujumbe unayopatia ulimwengu Salomono. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Imekufikia nini? La piqûre de la stagnation. Shetani la mentalité qu'il avait au départ de chercher Dieu et d'avoir Dieu. Cette mentalité n'est plus. C'est maintenant la mentalité de jouir. Mangeons, vivons, jouissons. C'est bon. Ni vizuri. La vie est belle. Maisha iko mzuri. Dio. La vie est belle. Maisha iko mzuri. Tu vas pleurer à la fin. Utalia kwa mwisho. Alléluia. Amen. Alors, au plan du cœur. Sasa kwa ngambo ya moyo. Les attaques, je vais les lister rapidement. Mashambulizi nitakuwa niko naitaja. Au plan de l'esprit et du cœur. Tunazungumzia roho na moyo. Je passe à penser, vous pouvez retenir les oppressions démoniaques. Mnaweza kushika. Que le diable utilise pour attaquer notre esprit. Kukandamizwa na shetani ambao shetani anatumia. Il active nos héritages maléfiques. Anakuwa akisisimua ile urithi wetu mbaya. Il crée l'attrait à ce qui ne plaît pas à Dieu. Anaunda kuvutwa na ile ambayo mfurahishe Mungu. Il active nos liens maléfique et ainsi de suite. Na kazalika. On peut citer le péché, on peut citer beaucoup de choses. Kutaja zambi na mambo au plan de la mentalité. Na kwa ngambo sasa mafikiri. Soyez attentif. Mkuwe wangalifu. J'aimerais citer quelques éléments. Napenda nitaje mambo fulani fulani. Le manque de vision d'avenir. Kukosa maono ya kesho. Le diable t'attaque. Shetani anakushambulia. En brouillant. Akiharibisha. Ta vision de l'avenir. Maono yako juu ya kesho. La Bible dit. Biblia nasema. Sans vision. Bila maono. Mon peuple sans frein. Taifa langu litabaki fasi. Et nous avons déjà appris comment nous pouvons découvrir la vision de notre vie. Na tumesha kugundua namna gani tunaweza kupata maono ya maisha. Cela passe aussi par la découverte des besoins auxquels il faut pourvoir. Deuxième attaque. Une vie d'inconscience. Le diable t'insouffle de l'inconscience. Tu deviens comme un Esaü. Unakuwa kama Esau. Devant la soupe. Mbele ya supu. Devant la soupe. Mbele ya supu. Tu vends l'héritage. Unauzisha urithi wako. Inconscient. Hauna zamiri. Tu ne comprends pas les vertus. Tu ne comprends pas les choses importantes. Hauelewe mambo iliyo ya maana. Quand on te dit. Wanapokuambia. Va lire tes notes. Vous avez examen la semaine prochaine. Masomo yako kesho. Tu passes d'abord. Laisse-moi finir d'abord cet épisode de cette série là. Mwache nimalize kwanza hii kipindi ya hii filamu. Tu apprends à l'église. Unajifunza kanisani. Que tu as des problèmes de liens démoniaques. Ya kwamba una shida. Et on t'a recommandé d'aller passer cette soirée dans la prière. Na wamekuambia ufanye siku. Tu arrives à la maison. Ukiomba jioni. Unafika nyumbani. Tu finis d'abord la première série. Unamaliza kwanza filamu ya kwanza. Et comme si ça ne suffit pas. Na jinsi haitoshe. Tu vérifies sur l'autre chaîne. Unaangalia kama. S'il y a aussi une autre série. Kwa mtandao mwingine kuna kwa filamu. Jusqu'à ce qu'il fait 23h. Hata wakati itakuwa saa 5 za usiku. Oh, je devais prier, ningepaswa kuomba. Et tu cours prier. Na unakimbia uombe. Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Toi aussi tu sais. Sina wewe unajua. Alléluia. Amen. Tu m'as tant aimé. Alléluia. Amen. Jésus. 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 Le cinquième Jésus finit sur l'oreiller. Na Yesu watano anaisha ukisha kuometia kichwa chako kwenye kitanda. Et l'oreiller dit bienvenue. Na kitanda kinakwambia karibu. Je suis à ton service. Nakuja hapa kukutumikia. Et quand le coq chante à 4h ou les musulmans chantent à 4h30, na wakati jogo na wika pa saa 10 za usiku wa Waislamu, je vais profiter. Oh, nita
faidia hii wakati. Paul a dit, Paul akasema, malheur à moi. Ole kwangu. Si je ne prie pas. Kama siombe. Toi tu réponds. Wewe unajibu. Au cri du coq. Kwa mli. Comprenez-moi. Kwa kuwika kwa jogo unielewe. Si je ne prie pas ce matin. Kama siombe asubuhi ya leo. Je peux même prier à 8h. Naweza kuomba hata saa 2 za mchana. D'ailleurs on a séminaire, je vais profiter l'après-midi. Kwanza tunakuwa na mkutano nitaomba mchana. Je vais carrément prier le soir. Wakati tutaenda kanisani nitaomba. Comprenez-moi. Unielewe. La vie d'inconscience. Maisha ya bila zamiri. Dit à ton voisin, cesse d'être inconscient. Ambia jirani yako, acha kukosa zamiri. Troisièmement. Ya tatu. Une vie d'excuse. Maisha ya kutoa masababu sababu. La Bible dit. Biblia nasema. Je cours vers le but. Nakimbilia kwenye lengo. Philippiens 3. Wa Filipi 3. Paul refuse les excuses. Paulo nakataa masababu sababu. Dans acte 4, acte 20, 24. Dani ya kitabu. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Matendo ya mitume 20, comme si cela m'était précieuse. Anasema siangalie maisha yangu kama ni ya thamani. Je refuse les excuses. Ni kusema nakataa masababu sababu. Je sais où je vais. Najua ni endapo. Je connais ma destinée. Najua hatima yangu. Je ne vais pas m'excuser. Na sitatoa masababu sababu. Je dois l'accomplir. Napasa kuitimiza. Alléluia. Amen. Quatrièmement. Yaine. Ou quatrième forme d'attaque. Ama aina ya ine ya mashambulizi. Tu peux appeler ça le quatrième fantôme de la stagnation. Unaweza kuita kizimu cha ine cha. Je vous ai dit nous appelons cela fantôme parce que niliwaambia tunaita kizimu. Ça vient de manière sournoise. Sababu inakuja bila. Vous ne savez pas que c'est dans, là dedans que vous êtes. Haujui kwamba ni humo ndani ambapo. Et pendant que je parle. Na ninapokuwa nikisema. Coche. Unakuwa unaweka coche là le fantôme qui est en train de vous détruire. Unakuwa unasema hii ndio kizimu inayonitesa. L'attachement au moindre effort. Kuambatana beaucoup de gens stagnent kwa kutotumika sana. Watu wengi parce qu'ils refusent les efforts. Sababu wanakataa kutumika. Ils aiment la facilité. Wanahitaji vitu vya kupokea kwa uwepesi. Il vous dit je n'ai pas grandi comme ça moi. Wanakuambia mimi sikukomaa. Mimi sikuzoea mateso. Je n'ai pas vécu dans une vie de misère. C'est dans ces mateso là que tu vas avancer. Ni ndani ya maisha hiyo mateso ndio utakuendelea. Mateso. Moi je ne suis pas habitué à la misère. Laisse-moi en paix. Même dans ton foyer, tu n'avances pas. Hata ndani ya nyumba yako endelee. Mimi sikuzoea kugusa makaa. Moi je n'ai pas eu l'habitude de toucher le braise. Gusa tu mikono ona kisiko butamu. Tu peux toucher si mes bras, si mes mains elles sont légères. Je vais pas toucher. Je vais pas toucher le braise. Oh, ya kazi ya bwana ishe. Utaenda tafuta makala ku coin. Attends que le travail du papa finisse, tu vas aller chercher les braises au coin du quartier. On refuse les efforts. Unakataa kufanya nguvu. Beaucoup de gens sont dans la mendicité. Watu wengi wako ndani ya maisha kuomba omba. Simplement parce qu'ils refusent les efforts. Sababu wanakataa kutumika. Ils aiment la politique du moindre effort. Wanapenda ils veulent que tout dans leur vie marche facilement. Wanapenda maisha ni mwa mambo yote yende kwa urahisi bila kuchukua. Ils ne veulent pas payer le prix pour quelque chose. Na wapendi walipe bei wajitoe kwa ajili ya jambo fulani. Il arrive devant un bureau. Wakati anafika mbele ya ofisi. Il lit les conditions d'embauche. Anaanza kuona shorte ili wakupatie kazi. Hii ni vya nguvu hivi. Anasema sasa c'est difficile. Sita postuler hapa. Je vais pas postuler ici. Il va sur un autre portail. Anaenda kwenye mlango. Il lit les conditions. Anasoma shorte. Il dit 1 2 3 parler couramment anglais. Jambo moja mbili tatu. Savoir travailler. Kujua kuzungumza Kiingereza vizuri. Sous pression. Kujua kutumika wakikukaza. Sous pression. Wakikukaza. Sous pression. Wakikukaza. Non. Il va ailleurs. Anaenda nafasi nyingine. Laisse-moi te dire. Acha nikuambie. Tu ne trouveras pas dans une affiche. Hautakuta wakati on écrit nafasi ambapo wanaandika. Condition. Shurti. Savoir travailler à l'aise. Ukuwe unajua tu tumika vizuri. Même chez Dieu. Hata kwa Mungu. Beaucoup de gens. Watu wengi. Après avoir fui l'effort et le sacrifice dans le séculier, kisha kukimbia kazi, ils pensent qu'à l'église, wanawaza kanisani, c'est là où c'est facile. Ni hapa ndipo mambo ni rahisi. Et ils courent à la moquette. Na wanakimbia kwenye mrago. Ils courent à l'église. Wanakimbia kanisani. Ils pensent que c'est facile. Wanawaza huko ni rahisi. Même à l'église. Hata kanisani. Si tu veux que ça marche. Kama unapenda mambo yendeke. Tu dois payer le prix. Unapaswa kulipa bei. On a fêté notre 25e anniversaire ici à l'église, non? Tulisherekea c'est facile ça?
mwaka wa 25 hapa kanisani. Je, ni rahisi? C'était avant-hier. Ilikuwa ni juzi. Dans la méditation. Tuliisherekea ndani ya kutafakari neno na mafungo. Juu ya nini? Pourquoi? Je ne bafundishe bien. Pourquoi je vous enseigne bien? Est-ce que ça coûte? Même chez Dieu, hata kwa Mungu, si tu fuis les efforts, kama tu n'arriveras pas. Hautafika. Tu ne sauras pas. Hautajua. Cinquièmement, ya tano, l'esprit du report, roho ou le fantôme du report, ama kizimu cha kuweka, tu as une opportunité devant toi, kitu ambao unafanya leo, tu reportes à demain. Unakuwa na kitu cha kufanya leo na kiweka kwa kesho. Je peux appeler ça l'esprit de temporisateur. Naweza kuita tena roho ya kunyamazisha. Oh, temporise. Unanyamazisha. Frère, ndugu, tu vas temporiser jusqu'à Macao. Utanyamazisha ile kitu mpaka utakapofika kaburini. Tu temporises toujours. Unakuwa tu kila mara ukimwambia. Frère, venons servons le Seigneur. Ndugu, kuya tumtumikie Mungu. Oui oui, en tout cas j'ai déjà compris. Ndio kabisa nimeshaelewa. Frère, venons. Ndugu, kuja. Allons en mission. Twende kwa misioni. Portons la lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Tukapeleke nuru hadi. Oui oui, j'ai déjà vraiment compris. Ndio hakika kabisa nimeshaelewa. Vraiment ça, vraiment c'est vrai. Mchungaji hii ni kweli. En tout cas c'est vrai vraiment. Hakika ni kweli. J'ai déjà compris. Nimeshaelewa. Et alors? Non, je suis en train de me préparer. Niko na jitayarisha. L'esprit dit je suis en train de. Hii roho ye niko na jitayarisha. Je vous ai déjà interdit ça, non? Si nimeshawakataza hii jambo. Je suis en train de. Niko na jitayarisha kufanya. Kisha unafanya miaka 15. En train de. Uko na jitayarisha kufanya. Mais depuis que tu as commencé le en train de. Tangu ulianza kujitayarisha kufanya hakuna kitu kilichoanza. Temporisateur. Uko tu unanyamazisha. Tu as coché? Regardez si votre liste. Ndio. Angalia. Coché. Unaweza kusema ndio. Parce qu'on veut prier pendant quelques minutes. Sababu tunatafuta kuomba kwa dakika kidogo. Sixièmement. Ya sita. Le confort présent. Kutosheka ndani ya maisha ya leo. C'est ce qui a affecté Salomon. Na hii ndio iliyomgusa Salomon. Le confort présent. Kujitosheleza ndani ya maisha ya leo. Qui vous donne le sentiment? Ambao inakupatia hisia. D'être à l'apogée. Ya kuwaza ya kwamba umefika kwa mwisho kwa sifa. Mambo yote tout est déjà arrivé. Mambo yote meshafika. C'est bon. Na mambo ni vizuri. Celui qui est debout. Anayesimama. Prenne garde. Afanye angalisho. De tomber. Ili asianguke. Sixièmement. Ya sita. Le sentiment. Hisia. D'avoir l'éternité à sa portée. Ya kufikiri ya kwamba umilele wote ni kwa mkono wako. Tu as l'impression que tu vis dans l'éternité. Unawaza ya kwamba unaishi ndani ya umilele. Non, je vais faire ça demain. Ah, hii nitaifanya kesho. Demain, non, non, bon, on verra ça la semaine prochaine. Ah, tutaiona hata wiki ijayo. Laisse-moi te dire, l'éternité n'est pas dans ta main. Acha nikuambie, umilele si mkononi mwako. Dis à ton voisin. Ambia jirani yako. Frère, fais vite. Ndugu, fanya haraka. L'éternité n'est pas dans ta main. Siku zote haiko mkononi mwako.